Attends, regarde, regarde, des plantes professionnelles. C'est qui nous la présente? Moi, je te la présente, mais je dis ce que je suis. Hein. Pression d'huile et tout, tu connais tout. Pression d'huile, y a pas d'huile. Y a pas d'huile. Je tourne à l'huile de friture. Vraiment pas d'huile. Et on a même pas rempli. Normalement, c'est 700 ml, y a 500. Ouh, elle va serrer là, je pense. Et elle perd un peu. Attends, Vas-y, vous êtes prêts? Tu sais tout ce qu'il faut, hein. Attends, il faut quoi déjà? Faut pas de stress, hein. Tu stresses pas, c'est moi qui le fais. Tu stresses? Non, c'est lui qui va le faire. Salut les mecs, c'est vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va présenter la moto que vous avez voulu présenter. Vous l'avez déjà vue, mais aujourd'hui, on va faire la présentation du projet de restauration en miniature. Ce qu'il faut, c'est mettre une photo avant après. Je l'ai. Ah, ça, on va avoir une belle miniature. On est avec le propriétaire du 96 Top Alu. Non, c'est quoi 80 50. Non, mais c'est un quoi? Un 80 quoi? Top fonte. Top fonte, c'est vrai, ouais, ce qu'il dit. Bah, c'est un topper, c'est de la fonte. Derby Senda Extreme 2009 7. Wow, wow, wow. Bah, 2006, mais elle est. C'est l'âge des meufs que Maxime Pécho, ça. Bah, ouais, même pas. Lui, c'est dans les 2010. Donc, vous la connaissez déjà, les mecs. On a déjà fait une vidéo à deux. C'est lui qui a cassé son fameux câble. Tout réparé, hein, tout neuf. Hein. Tout neuf. On voit parfaitement l'intérieur. Ouais. Il bouge un petit peu. Ouais, c'est la tension, ça se fait. Il y a de la roue. Donc, toi, t'as tout refait sur la moto. Tu l'as acheté, t'as tout refait, c'est ça? Tu l'as acheté quand? Putain, je crois que c'était avril 2021. Ouais, donc et là, elle est finie ou t'as pas encore fini à 100% comme toi tu la veux? Franchement, ouais, finie. Il manque plus que quoi? Bah, plus le cylindre qui attend toujours. Hein. Qui ouais. Beau temps, c'est tout. Parce que toi tu veux changer toi. Ouais. Là c'est un quoi? 50 Garenzi. Et toi tu veux passer en 80 Poligny. Bah non, qui attend. Ouais, il l'a déjà en fait, il ouais. Attend de le mettre. Ouais, je l'avais acheté avec la. En fait la moto elle était déjà, il y avait 80 dessus. Ouais. Et je l'ai juste enlevé bah pour. Pour commencer. Pour je commencer. Pour commencer sagement. Sagement mais sûrement. Est-ce que ça a été galère de faire une resto complète? J'aurais su, j'aurais économisé plus. Parce que putain ouais. Que des galères. Que des galères. Mais en vrai, t'en es content du résultat? Ouais, bah ouais, ça va. Alors vas-y, qu'est-ce que t'as fait? Bah, du coup, tout. T'as tout fait. Ouais, peinture cadre, peinture brossillant. Oui, c'est vrai que t'as tout peint. Ouais, bah oui. Là, on peut pas. Juste le sélecteur à repeindre, c'est tout. Mais ouais, là, on peut pas dire que c'est moche. En vrai, t'as fait un truc propre. Hein. Bah ouais. Tu l'as même pas emmené chez le carrossier? Bah non, c'est. Ouais. Carrossier est venu à nous. Carrossier est venu à nous. Par contre. Ouais bah et le faisceau c'est moi qui. Mais en fait on l'a mal mis du coup normalement il est plus là. Mais là Toi j'espère que tu laves pas ta moto à l'éléphant bleu toi. Non parce que là je pense. Là je pense ça démarre plus là. Attends mais t'as de l'eau là, t'es mort non? Je sais pas, je vais essayer. Bah quand il pleuvait franchement. Mais tu dois pas avoir une gaine. Il doit pas avoir une gaine. Si moi j'en ai une trop. Je crois, il est pas sûr. Est-ce que t'as dû racheter des pièces pour la finir? Ouais putain ouais. Bah déjà j'ai acheté. Carénage. Ouais. Plaque phare. Carter. Moi, ça, c'est avec. Cylindre. Les jambes, je sais plus si tu les avais déjà. Je les avais déjà. Ouais tu les avais déjà. Je les ai juste hors nettoyés. Bon, les plans, c'était pas celui-là. Pourquoi tu fais pas une bicolore sur les jantes? Non, trop compliqué. C'est trop vu. Non, c'est. En fait, c'est trop vu. Pas, c'est pas trop compliqué, mais c'est trop vu. Non. Là, tu vois des belles jantes chrome avec du ouais. Coup, mais faut les faire chrome. Ouais, elles sont plus trop chrome là. Ouais, bah là, il est. Ah ouais, tu vois direct quand tu passes dessus. Tu vois déjà que ça, ouais. Ça rend déjà plus chrome. Pas de kit déco? Non. Tu veux pas? Non. Et donc, après avoir fait peinture cadre, jantes et tout, c'était quoi le plus galère en vrai dans toute la resto? Franchement, la moto. Ouais. Tout. Il y arrivait que des galères, ouais, c'était. Non, le plus dur. Mais genre problème mécanique ou problème électronique, t'as plus galéré? Électronique, ouais. Électronique. Mécanique, encore, il y a eu aucun problème. Est-ce que ça a été galère de trouver des pièces pour ça? Parce qu'en vrai, non, je pense pas. C'est pas trop cher, parce que les carénages complets, j'en ai eu pour 20 balles. Ouais, après, ah oui. C'était à repeindre, tu vois. Et c'est facile à trouver? Il y en a beaucoup sur le bon coin des pièces. Après, c'est des pièces derby, tu vois. Ouais. T'as juste les carénages, là, c'est qui change. Hein. Ouais. Sinon, c'est pareil presque. Tu conseilles à un mec ou pas d'acheter sa moto? Parce que du coup, si on parle tarif un peu, t'as payé moins cher que de l'acheter neuve. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que t'es gagnant à avoir fait ça ou c'était mieux d'acheter une occasion direct sur le bon coin? C'est gagnant si tu connais et que tu t'attends à ce que. Si tu sais le faire. Ouais, voilà. Et que tu te dis, t'auras du travail. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, faut pas compter les heures que tu vas mettre dedans. Ouais, les tu heures, sais, tu saurais même pas dire toi le nombre d'heures que t'as mis dessus. Un mois, je pense. Voilà. Au total, j'en ai aucune idée. Et il a.
13 ans, non, 14. 14, 15 là maintenant. 15 ans et il l'a fait tout. T'as tout fait tout seul. Elle a jamais été au garage. Jamais, bah avec mon père, c'est tout. Voilà. Chez moi, c'est tout. Familial. Donc en vrai, tu t'en sors mieux ouais. financièrement. Bah, je l'aurais acheté déjà toute cette comme ça. J'en aurais eu pour 1002 minimum. Ouais, la base, tu l'avais acheté combien, t'as dit, la base de la resto? 550. Bah non, il y avait ouais. un 80 dessus. Ouais, 80 Poligny, bah full frais quoi. Par ouais. contre, t'as une photo de quand tu l'as reçu direct? Bah j'avais déjà changé les carénages, donc j'avais acheté. Par contre, j'ai 1% de batterie. Qu'est-ce que t'en penses de sa restauration? T'es fier de lui? Franchement, ah oui acheté... Ah c'est pas vrai. Ah ouais, c'est pas pareil. Putain, le focus. Ah ouais, tu l'as eu comme ça. Mais t'es pas ouais, rouge, les photos, là, ouais, t'es bon. Tu vois. Ouais. Tu vois. Ah oui, là, on a toutes les étapes. Ah ouais, elle a été carrément désossée. C'est vrai que moi, je l'ai vu pas mal de fois désossée quand je suis venu chez eux. Ah ouais. Ah là, bah, toutes les soirées, toutes les journées que t'as dû faire. Là, déjà un peu plus remonté. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est ceux que t'as là. Ouais, ceux que je. À part l'avant, parce que. Non, non, là, ils étaient rouges, là, ils sont noirs. Ouais, mais t'as poncé, t'as repeint? Ouais, poncé, repeint et vernis. Mais les bavettes et avant et celle-là, on les a dû les repeindre encore une fois. Parce que le vernis, il avait fait des morceaux. Mais en vrai, c'est stylé. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ton avis favorable. T'aurais fait la même chose, toi? Bah, largement, moi, j'aurais fait des flammes, là. Alors, si on doit parler des choses qui sont extravagantes, c'est quoi ça? Durée d'arrosage. C'était jaune, ça allait bien. Tu vas pas la changer, tu vas laisser celle-là, ça fait le style. Ouais, ça fait le petit détail. La petite touche avec le filtre à air. Ouais, le pot, tu l'avais ou tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Alors, j'étais parti en vacances et il y avait le même corps de pot. Et raconte pas ta vie. 20 balles. Ouais, 20 balles. Ouais. Juste le corps de pot, puis je reviens. Pot complet 50 balles avec tube et trucs. Ouais. Et la cartouche, tu avais déjà. Et les cartouches, j'en avais. C'était une Conti. Et du coup, mais là, c'est une quoi la ligne? C'est... Enfin, la cartouche, c'est quoi? Une Berka. Berka. Ah bah, attends, elle est pas de l'autre côté? Ah si, ouais, voilà. Barriquite compétition. Ouais, c'est juste que j'ai coupé la petite. Ouais, toi, t'as fait du tuning. Donc en vrai, t'as eu la ligne complète plus le pot que t'avais déjà pour 50 balles? Bah, 70, ouais. Ouais. Sans compter l'autre. Mais l'autre. Il est un peu éraflé sur l'autre côté, donc je ne l'ai pas. Et ça va, il rouille pas? Bah là un peu, parce si, que ça peu. Fait longtemps que je l'ai pas. Ouais. Il faut entretenir ses pots, parce que sinon après on voit ce que ça donne sur la derby, c'est catastrophique. Niveau des pièces, t'as acheté beaucoup où? Sur AliExpress, sur Le Bon Coin? AliExpress, Facebook et la Bécannerie, 50 Factory, tu vois. 50 Factory, n'hésitez pas à utiliser, il n'y a pas de code promo, ça me casse les couilles. Bah ouais, putain. Ah oui, est-ce que t'as reçu des messages des gens qui voulaient la rêve des clignotants et tout? Parce que là, franchement, c'est les clignotants, ça va. Basique, mais stylé. Ah oui, il a même l'appel de phare et tout. Là, c'est tuning. Et le mieux, du mieux, c'est l'arrière. C'est l'arrière. Ça. Regardez. Oh là là, c'est magnifique. Et ça, sur AliExpress. AliExpress, 14 euros. 14 euros sur AliExpress. Non, bah, je pense qu'on pourrait voir. Donc, si on parle moteur, c'est quoi la transmis là? 1353. Ah bah, comme moi. Ouais, bah, aussi. Toi, t'as pas demandé, toi? Ouais, mais c'est tout. Sur un kit Carenzi 50. Ouais, 50 Carenzi. Avec full prépa 80. Allumage, vidéo, embrayage. Carbut 24 Poligny. Boîte à clapet VL 18 ou 17. Non, VL 17, mal aussi. Calmost. Et puis. En fait, tout est prêt pour. JBR 9ES. Tout est prêt pour accueillir ton le kit. Le 80, oui. Et juste le pot en passage bas, barriquette aussi. Tu vas mettre un passage bas? Bah j'aimerais bien le passage haut, mais là c'est un 50-70 et puis ouais. Les 70-80 ou 80-90 ça coûte ouais. 400 balles pour un pot passage haut. Mais en vrai, il n'y a pas de. Ça fuit pas, hein? Bah juste là, c'est tout. Ouais, mais sinon, bah, ça c'est normal, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais pas à mal. L'époque, il y avait la bride, elle fuyait, j'ai mis un fan pro, il me le fuit plus. Et combien que ça prend tout ça? 12. En vrai, t'as pas de compteur, y'a rien. Alors là, c'est neutre, c'est. Il a un méga guidon. Est-ce qu'elle est lourde? Elle est plus lourde que. Ouais, je crois qu'elle est plus lourde que moi. Hein. Je sais pas. Peut-être, hein. De toute façon, derby, c'est les motos les plus lourdes. Hein. Ouais, c'est pour ça que les PD ils prennent des Redu parce que voilà. C'est moins lourd pour eux. Ça, tu nous as dit que c'était. Oh, c'est stylé ça, dis donc. Ouais, tu peux faire des filtres. On voit pas trop dedans. Ouais, non. Donc en vrai, t'as été gagnant à faire ça. Tu prends moins cher que ouais. Racheter une... Tu prends pas l'eau là? Bah non, on y a plus jamais pris l'eau. bah tant mieux. Donc en vrai, même s'il n'y a pas de compteur, je pense que ça prend facile 90. Hein. Toi, tu prends combien là? Moi, alors, t'as pris 103. J'ai pris le max 103, mais ouais, là 90, 95 dans ces eaux-là. Je pense que ça doit être pareil, peut-être un peu plus. Ouais. Parce que je vois que des fois. Ah, non, mais moi, j'ai fait du pot, j'ai ça dire.
Non mais en vrai, c'est... Ah oui, parle-nous de la plaque phare. Qu'est-ce que t'as fait sur la plaque phare? Parce que ça, c'est pas une 50, ça. Non, bah c'est une de KTM, les EXC à l'époque. Ouais. Avant que ça soit genre un peu comme ça. Restylé. Ouais, restylé. T'as pas galéré à l'adapter? Franchement, t'avais 4 câbles et tu les reliais facilement en fait. Pour faire adapter. T'avais juste mettre le contact, plein phare. Et c'est tout. Et en plus ça rend bien, hein. Ça a beaucoup plus de gueule avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'avec ça elle a plus de gueule. C'est un truc de ouf. Puis moi j'aime bien, c'est que tu vois le truc du phare, ouais. Il correspond aussi avec le truc. Gros disque, hein. Bah non, ça va encore. Ça freine bien. Ça va. Mais après, on a une surprise, c'est, tu vois, c'est les motos. Ah bah ouais. On a démonté tête-fourche, et le tube. Normalement c'est sorti. Ah oui. Ça doit pas tomber. Ah. Du coup, au début, bah, tu freinais trop fort ou un dodan, oh, tu dévissais. Oh mais non. Quand tu freinais, t'entendais clac clac. Ah ça c'est. Normal, c'est italien. Non, c'est italien. Non, c'est espagnol. C'est pas trop rassurant ça. Et mais là maintenant, on ne le fait plus donc. Donc tant mieux. Mais si jamais je retrouve une carte de fourche. T'as pas de pompe à huile? Non. Sauf pour les PD, les pompes à huile. Ah ouais. Moi j'en ai une, c'est mieux. Robinet d'essence. Bah ouais. Ça y est, c'est une motocross le bordel. Non, en vrai, il est propre. Hein. Il est propre de ouf. C'est la seule pièce d'origine d'Herbie qu'il a, celle-là. Celle-là, ouais. Celle qui coûte 50 euros. Ouais, j'ai pas envie de repayer. Ah, celle-là, faut pas la repayer. Non, en vrai, ça marche bien. Petite config qui va pas rester longtemps petite. Non, ouais. Parce que là. Peut-être fin mars, dès qu'il fera beau, vraiment. Mi-mars, dès qu'ils vont être tous les deux en 80, moi, je vais être à la ramasse. Ouais, je serai en voiture, moi. Ça va être drôle. On va s'amuser. On fera la course. Et en parlant de run, on va en faire juste après. Ouais, parce que moi, j'attends toujours, là, elle va refroidir. Elle va refroidir, ouais. Non. Temps de chauffe toujours respecté. Jamais, là c'est un mytho, au rodage je l'ai même pas fait. Rodage combien de kilomètres? 500, mais on va dire qu'il y a eu 250, 300. Non, c'est pas vrai. Et après ça tirait dans sa gueule, direct. Il a fait l'accident avant. Ouais. Combien tu payes l'assurance? Oh là, j'en ai aucune. 30, je crois. C'est pas lui qui paye. Et toi, c'est toi qui paye. Combien de litres? De quoi? Le réservoir. Ah bah 7 litres, c'est pareil que toi. Ah, c'est tout pareil que moi. Bah ouais. Et la consommation, c'est pas pareil, tu fais combien qu'un plein? J'en ai aucune idée par contre. Bah, changer de clair de 105, donc ça doit être un peu plus que toi. Ouais, mais en fait, ouais, en fait, tu peux avoir aucune indication. Comme t'as pas de compteur, t'as rien. Et puis je calcule pas vraiment mes trajets donc. Mais vu le prix de l'essence, maintenant c'est 10 balles un plein. Lui, il y va à la pompe, il met des 3 litres. 5 euros. Tu vois là, il me le reprend. Ça, c'est bien ça. D'avoir le cash. Ouais, est-ce que. Ah, mais c'est tuning ça. Ouais, t'as vu. Il est où le bouchon vert? Normalement, c'est un bouchon vert. Moi, je préfère celui-là. Hein, ah, bah oui, non, là, c'est tuning. Attends. Elle est plus beau. Mais il est alu. Ouais, bah il pèse une blinde. Il en a plus. Ah oui, quand même. Là, tu perds 10 km/h avec ça, là. Putain, ouais, je vais rouler sans. Non, parce qu'après, t'as l'essence qui va sortir. Bon, bah tant mieux, c'était une bonne petite restauration. Ouais, et puis, je viens de m'en souvenir, on était parti, on partait à Ina. Je sens un truc passer contre moi. Je sais, c'est pas mon téléphone. Je m'arrête, je dis, c'est quoi? C'était ça qui était envolé. Ah oui. Du coup, j'ai dû le repeindre encore. Encore et encore. Qu'est-ce que tu lui conseillerais à un mec qui veut faire une restauration pour sa première restauration? T'avais rien restauré avant. Alors qu'est-ce que tu lui conseilles? Franchement, honnêtement, scooter. J'en ai peut-être. De pas le faire. En moto scooter. Ouais, moto scooter. Code modèle. Ouais. Bon, en vrai, est-ce que tu conseilles à un mec qui trouve une resto de la faire? Ou pour. Ça dépend le prix. Ouais. C'est si tu l'as en dessous de 650, ouais. Mais sinon, non. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ce bordel? Bah, je te laisse regarder. Waouh, le coffre! Le coffre! Le coffre! Même batterie que moi! Bah, ouais, mais il faut que je la change. Parce que c'est en intensité. Là, il manque beaucoup de choses là. Déjà, là, on voit là. Moi, je vois pas ici, moi. Ah, ouais, t'as ton. Ah, ouais, il y a un truc là-dedans. Oh là là, ça doit être une galère à faire toute l'électricité. Ah, ouais, j'en avais. Pff, ça doit être tellement ras-le-bol. Et là, on t'as voulu en abandonner ou pas des fois? Il y a des moments, j'en avais ras-le-bol. Hop. La brûler. Ouais, la brûler. Moment, je dis, hey, je vais l'assurance en tourisme, je vais la faire brûler. Il va choper l'assurance. Quel petit voleur. Bah, faut dire la vérité. Non, mais en vrai, le résultat, il est beau. Tu le regrettes pas. Et quand tu vas passer en 80 cet été, ça va être encore plus drôle. Ouais. Le seul truc qui est chiant, c'est la suspension qui est quand t'es tout seul. Elle ouais. est trop dure, mais quand t'es à deux, elle est trop bonne. Ouais, en fait, y'a rien qui va. Ouais, c'est. Bon les mecs, j'espère que vous aurez aimé la petite présentation. Si vous avez des recommandations à lui faire ou si vous voulez savoir où il a acheté ses feux et ses clignotants, allez sur son... Qu'est-ce qu'on a donné la dernière fois? Instagram ou Snap, je sais plus. Insta, ouais. Insta, c'est dans la description. Et là, on va passer au run. Hein. On va tester la derby versus la derby. Et non, la... Faites écouter le bruit, non? Ah, c'est vrai. J'ai... Ouais, putain, bah... erreur de débutant, j'ai même pas écouté le bruit. Vas-y. Sa gueule.
Ça fait du bruit, hein. Il est vide ou quoi à l'intérieur? Non, même pas. Il est pas vide. Il est encore catalysé et là, il y a la lumière rouge. Putain, ça gueule, hein. Bon, les mecs, j'espère que vous aurez kiffé. On va se retrouver sur la route. T'as un petit mot à dire? Eh, vas-y, tu me poses. Ouais, d'accord. Ouais, n'hésitez pas à noter sur 10 dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve directement. Ah ouais, ça arrive. Ah, ça arrive direct. Ça vibre. Ça vibre beaucoup. Ouais, sur ce, les mecs, on se retrouve sur la route. T'as un petit mot à dire? Bleu. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took